Maman! Maman, je suis là, hein. Bah merci, je vois bien. Bon, qu'est-ce que tu fais encore assise dans le noir? Je suis pas assise dans le noir, je me suis endormie. À cette heure-ci? Oui, pourquoi pas, je suis censée faire autre chose, peut-être. Maxime te rappelle papa? Et pourquoi pas? Parce que c'est bien la dernière personne à qui j'aimerais que Maxime ressemble. Et je peux savoir pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Oui, je te demande pourquoi, c'est interdit? Non, c'est pas interdit, non. Enfin, ça n'a pas de sens. Robert m'a invité à... Ah? À fêter ça. Et tu as accepté? Ouais. J'y suis allée. Pas avec cette jupe, j'espère. Non, non, hier j'avais la rouge. Non, c'est encore pire. Peu importe ce que t'as promis, tu vas me le dire. Oh, mais c'est pas bien, hein. Mais t'as jamais gardé un secret, toi? Mais regarde où ça nous mène de garder des secrets. Je sais pas. Je crois qu'il l'a été, mais il porte plus sa veille. On sait pas pourquoi. Du tout. Il a toujours été assez discret et il parle pas beaucoup de sa vie. Décidément, il plaît bien, ce garçon. Maman, tu parles de quelqu'un que tu connais pas. Et alors, depuis quand on est obligé de parler que de ce qu'on connaît? Non, ça suffit pas. Non, bon, alors plie, ma chérie, plie. Voilà. Si tu crois que ça peut t'aider, vas-y, plie, vraiment, vas-y. Hein, ça m'est égal. Allez, tiens, il y en a plein les placards, vas-y, fais-toi plaisir là-bas. Hein. Je sais pas, j'y réfléchis plus depuis très longtemps. Eh bien, pose-toi la question maintenant. Avant de voir ta vie défiler, te réveiller un matin avec des regrets. Quoi, là, maintenant, là? Non, tu viens de même le dire. Mais oui, tout de suite, là. Alors,